Personne extraordinaire que j'ai découverte sur un tableau. Ce qui peut paraître assez curieux, c'est un tableau qui avait été fait au début du 18e. Elle était une petite fille à l'époque et je me suis dit, mais c'est bizarre, cette petite jeune fille avec des joli, une jolie robe pleine de volants, entourée d'hommes un peu spéciaux. Et je me suis dit, qu'il fallait que je me renseigne. Donc je suis allée à une bibliothèque en Angleterre et j'ai regardé tout ce qui concernait cette petite Lady Mary, que je trouvais vraiment d'abord très jolie, parce que ça, il ne faut pas oublier, et en même temps, euh, quel, euh, quelque chose de, de frais de mignon et qu'on qu a envie d'approcher. Voilà, j'ai eu envie de l'approcher et j'ai acheté tous les livres que j'ai pu en anglais et j'ai pu aussi en trouver en français. C'est une femme hors du commun parce que dans un milieu très traditionnel où les, les filles n'avaient pas leurs mots à dire, elle a décidé de prendre le mari qui lui plaisait. Et pas celui que son père désirait, et ça a créé un événement terrible parce que du coup le do, les domaines familiaux ne pouvaient pas se rassembler parce que dans les mariages, évidemment, on, on invite, on, on décide que le propriétaire d'à côté peut se réunir avec votre domaine, et le père de Lady Mary, lui, c'est ce qu'il voulait. Surtout parce qu'il avait des garçons. Alors il voulait absolument que la famille s'agrandisse. Et Lady Mary s'est débrouillée. Elle a fui carrément. Elle s'est cachée et elle a décidé qu'il n'en était pas question parce que ce n'était pas quelque chose pour elle. Elle avait sa propre personnalité. Elle voulait vivre comme elle l'entendait. Et cela, quel que soit euh, tout ce que son père voulait faire, et surtout pour éviter ce qu'on appelait les mariages arrangés. Ces mariages qui étaient horribles, parce que ça ne correspondait jamais à l'amour de la jeune fille. Elle avait d'exceptionnel déjà de faire ce qu'on ne voulait pas qu'elle fasse. Et surtout, son père voulait qu'on l'habille bien, euh, qu'elle se promène avec, les, avec ses cousines. Mais il n'était jamais question qu'elle étudie. Et tout d'un coup, elle a décidé que elle devait faire comme son frère, qui lui avait un avait un précepteur, et que ce précepteur le faisait travailler. Et elle, elle disait :« William, je t'en supplie, je voudrais. » apprendre à lire et à écrire. Bon, et ce William, il a été assez gentil, il l'a fait rentrer dans son bureau pour qu'elle puisse voir les livres, apprendre, et petit à petit, elle s'est mise à lire toute seule, et surtout à apprendre le latin, ce qui paraissait vraiment inimaginable. Donc elle avait déjà en elle ce désir de briller intellectuellement. Léonie Marie est partie en Orient parce que son mari a été nommé ambassadeur extraordinaire en Turquie pour une durée de cinq ans. Donc, quand ils, le, le, le départ, ils sont partis de Londres. Pour aller en Turquie, ça a duré excessivement longtemps. Il a fallu traverser l'Angleterre avec un bateau. Alors il y a la famille Wortley qui avait le petit bateau qui traversait, qui traversait la mer avec des tempêtes. Et après, Edouard Wortley euh, a pris la route. Et ils sont allés à Vienne, ils, sont, ils ont traversé le, le, le pays, mais plus sur la mer, euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Turquie. Donc quand Lady Mary est arrivée en Turquie, elle n'a eu qu'une idée en tête, c'est de surtout pas s'intéresser à l'Angleterre et d'essayer de trouver la fraîcheur de ce pays qui était la Turquie. Donc elle essayait toujours de voir des femmes. Elle, est, elle a voulu dormir pas dans la même chambre que son mari. Alors son mari, il était de l'autre côté, et elle, elle était de l'autre côté, afin de pouvoir vivre comme une vraie femme turque. C'était son rêve. Et c'est dans ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle n'a absolument aucun caractère de banalité, mais elle pensait qu'il y avait des femmes anglaises qui avaient leur comportement, mais que ces, ces femmes turques, elles avaient aussi leur personnalité, et elle voulait absolument les rencontrer. Donc elle a demandé l'autorisation de voir certaines d'entre de, elles. Avec ce roman, j'ai découvert une jeune femme anglaise exceptionnelle, comme on ne voit pas en France. Et moi j'ai eu qu'une idée, c'est qu'on la fasse connaître dans notre pays.